Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue dans l'autre sortie débat pour nous avancer, côté nous entrer la caille, non? Pour nous porter information pour nous, pour nous analyser et aussi pour nous permettre de mieux comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et aujourd'hui, à là, nous connaissons le 21 décembre 2022, côté Conseil de sécurité des Nations Unies, hein, et est doué réuni sous affaires pays d'Haïti. Eh bien, ça t'est fait. Nous pourrons permettre de suivre comment séance là t'est déroulée. Et en plus de ça tout, et dans la coupe pays d'Haïti et l'hôtel Montana, eh bien, PM Ariel Henry qui est en tête coalition criminelle là, eh bien, il t'est chita pour te faire un accord minimal puis continuer et faire gagote qui a fait dans pays là. Et ça nous remarquer c'est que la déclaration Ariel Henry fait jodi là, li fait connait que et tout bagaille pral entrer pral pour la plus belle année 2023. Pendant ce temps, il était gain presque 17 mois pour ne pas dire dépasser 17 mois pour te clé et pour te mettre un climat et la paix en pays hein, pour te gain référendum, nouvelle constitution et puis élection. Et bien pas de ça le fait, de préférence c'était un climat de terreur que le mettait dans pays hein, côté actes de corruption t'a fait, côté crime a fait à droite à gauche, gang par-ci par-là, dilapidation qu'est-ce l'État, et corruption, et puis toute qualité, et nous qu'a dit contrebande t'a fait dans le pays. Eh bien, c'est bilan, monsieur, pendant 17 mois. Mais je dis à là, les jours, que il prend tout le monde en témoin, que le pral mette pays à sous rail changement, côté pour Haïti ka monter sur rail développement rail changement. Et nous remarquer que ça aussi joué ti moun parce que c'est chaque année le date ça va arriver et on l'autre année pour l'entrée Ariel Henry toujours c'est même qualité discours tête en bas ça, c'est même qualité promesse forfelu ça, promesse tête en bas que nous même nous pas croire là-dedans encore. Si c'est première fois que je suis sur channel là, ou bien qu'on sur channel là déjà même pourquoi j'aime abonner à channel là, pas oublier, nous avons mission là pour 31 décembre nous arriver à 100 000 abonnés et nous manquer presque 500 abonnés, so dégager nous coup mettre Jean-Jacques pour nous permettre que nous traverser 2023 avec 100 000 abonnés. Et une raison c'est que le ça n'a pas qu'à vérifier channel là, n'a pas qu'à vérifier le monde pas qu'à faire ça ou vle encore à channel là. Et bon, comme nous te dit, nous prenons l'entrée dans le Conseil de sécurité et des Nations Unies, côté et vraiment vrai, je dis à la, te gen discussion sur le pays d'Haïti. Ma quitte nous tende de temps en temps, ma fait si commentaire, si analyse, ma fait si entrée sur ti, parce que nous t'arrêmen nous bien imbu, parce que nous dis nous ça, c'est Haïti, c'est pays nous qui sous table Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas zin, ce n'est pas déblosaï. C'est information. Faut nous tendre. Faut nous garder. Faut nous participer. Un gens pour le moun abdou. Mais qui ça te dit pour nous dire non, il pas ça te dit. Parce que nous tendons de première main. Et ça lié. Ça fait de n'après tendre ces moun qui viennent dire nous ça ou te dit. Le sa moun nan li même, li vire parole là, l'insens intérêt que le gagne. Et ça fait nous-mêmes dans le cadre de Stevie, depuis le Conseil de sécurité a réuni, nous-mêmes nous faut tendre ça au dia sans retirer sa mété. Et de temps à autre, nous avons fait des commentaires, le gain et l'autre monde qui a parlé, nous avons fait des petits commentaires tout, mais cependant, m'a quitté nous tendre. Et nous fait traduction en français, parce que gon côté et le site Nations Unies, hein, Conseil de sécurité, a eu bon accès pour mettre li en français pour nous tendre ça qu'a dit. Et comment y a décidé sous deux pays d'Haïti. Sans plus tarder, n'a traversé et puis m'a quitté nous suivre et en nous tendez comment ça a déroulé en dans Nations Unies le Conseil Je de sécurité. Je déclare ouverte la 9233e séance du Conseil de sécurité. L'ordre du jour provisoire de la présente séance intitule la question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants du Canada, de la République dominicaine et de Haïti à participer à la présente réunion. Il en est ainsi décidé.
Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les orateurs suivants à participer à la présente réunion. Madame Hélène Lalime, représentante spéciale du secrétaire général pour Haïti et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, et Monsieur Kim Hayes, éditeur de Haïti Liberté. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Lors de la présente réunion, le Conseil de sécurité va entendre des propos liminaires de la vice-secrétaire générale, son Excellence, Madame Amina Mohamed, et des exposés de Madame Lalime, de Monsieur Hives et de l'ambassadeur Michel-Xavier Biang, représentant permanent du Gabon en sa qualité de président du comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2653 de 2022 concernant Haïti. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à la vice-secrétaire générale, son Excellence Madame Amina Mohamed, et je lui donne la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Excellence, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de me donner la possibilité de faire quelques remarques liminaires sur la situation en Haïti, un pays qui reste prioritaire pour les Nations Unies et plus personnellement pour le secrétaire général et moi-même. Depuis ma dernière visite en Haïti en février, j'ai été encouragée. J'ai vu les efforts solides déployés pour reconstruire le pays après le séisme tragique qui a frappé le de la péninsule en 2021. J'ai été encouragée par les efforts déployés au niveau national sur la voie du relèvement et la solidarité des partenaires internationaux haïtiens. Mais fin 2022, Haïti est en proie à une crise grandissante, sans précédent, plus complexe que jamais, extrêmement préoccupante. Les tentatives de dialogue ont échoué à créer un consensus sur l'avenir. L'insécurité a atteint des niveaux inédits. Les violations des droits humains sont généralisées. Des bandes organisées, armées, ont élargi, étendu leurs activités criminelles violentes en recourant au viol collectif, à des meurtres pour terroriser et mettre sur leur coupe des communautés. La violence des gangs paralyse le pays, entrave la liberté de circulation des personnes, des biens, de l'aide humanitaire. Cette violence attisée, la réapparition du choléra, accrue l'insécurité alimentaire à des niveaux inimaginables, déplacé 155 000 personnes et perturbé l'éducation de milliers d'enfants. Le secrétaire général et moi-même et toutes les Nations Unies sont solidaires avec le peuple haïtien en ces temps très difficiles. Madame la Présidente, la représentante spéciale secrétaire générale, Madame Lalime, l'ambassadeur Xavier Biang et Monsieur Kim Hives vous présenteront les détails de la situation. Je voudrais, dans ces brèves remarques, appeler votre attention sur deux volets de la crise. Premièrement, Port-au-Prince et les régions voisines traversent la crise humanitaire et relative aux droits humains la plus grave depuis des décennies, éclipsant toute possibilité de développement durable. Comme toujours, les communautés vulnérables sont celles qui pâtissent le plus de la situation. Ainsi, 90% des cas de choléra sont dans des régions qui souffrent déjà d'un taux élevé de malnutrition aiguë grave. Je condamne, dans les termes les plus forts, les rapports de violences sexuelles généralisées par ces bandes armées. Les récits déchirants relatés dans les rapports d'il y a deux mois du BINU et du HCDH sont un appel à l'action, au principe de responsabilité. Les Nations Unies continuent de faire entendre la voix des femmes et des filles vivant dans des communautés aux mains des gangs. Il faut remédier à leur vulnérabilité, à la violence, face à la violence de tout type. Lancer un appel pour la justice et la reddition de comptes pour les auteurs de ces crimes odieux. Deuxièmement, il faut de toute urgence apporter un soutien international et notre solidarité. La communauté internationale est attachée à Haïti. Récemment, les États ont pris des mesures. Je demande aux pays qui sont en mesure de le faire de se pencher sur la demande du gouvernement haïtien pour ce qui est d'une force armée spécialisée internationale pour contribuer à rétablir la sécurité et alléger la crise humanitaire. Ceci est fondamental, je l'ai vu sur le terrain. Si nous voulons qu'Haïti reprenne la voie de la stabilité institutionnelle et renoue avec la voie de la paix et du développement durable, je réitère l'appel du secrétaire général pour apporter un soutien international à la PNH, comme l'indique la lettre du 8 octobre. Nonobstant la fin du siège du terminal pétrolier de Vareux, il faut afficher notre solidarité et agir. C'est le rôle de la communauté internationale. Les Haïtiens, comme
Tous les habitants du monde ont le droit de vaquer à leurs occupations sans craindre d'être kidnappés, violés ou tués. Ils doivent pouvoir accéder aux services, vitaux services de base, exercer leurs droits civils et politiques, y compris le droit à voter, leur droit de vote. Il y a de nombreuses crises de par le monde, mais rares sont celles qui mettent autant à l'épreuve notre détermination et nos valeurs. Rares sont celles qui sont comme la crise haïtienne. C'est une mise à l'épreuve de notre humanité commune qui devrait être au cœur de notre coopération internationale, une mise à l'épreuve de notre solidarité avec un peuple en proie d'indicibles souffrances. Lors de ma visite de février dernier, j'ai parlé avec des représentants de la société civile, des étudiants, des femmes, des filles. Ces conversations m'ont rendu l'espoir. Nous devons maintenant raviver cet espoir pour aujourd'hui et demain. Il faut de toute urgence répondre à la situation. Haïti a également besoin d'un soutien international pour remédier au structurel de la crise et rompre les cycles qui ont limité son développement depuis aussi longtemps. Le développement durable inclusif est indispensable. Le secrétaire général et moi-même, Madame la Présidente, l'ONU dans son ensemble, réaffirmons notre solidarité, notre détermination à être aux côtés d'Haïti et de son peuple et appuyer le développement durable du pays, la démocratie, la stabilité et la paix. En cette nouvelle année, je demande l'unité et la solidarité pour contribuer à trouver une solution à la crise en Haïti, une solution menée par les Haïtiens pour les Haïtiens. Je remercie la vice-secrétaire générale de ses remarques et donne maintenant la parole à Madame Hélène Lalime. Madame la Présidente, chers membres du Conseil de sécurité, merci de cette occasion qui m'est donnée de vous mettre à jour sur l'évolution de la situation en Haïti sur fond de niveau alarmant de violence des bandes dans le pays. Le siège du principal terminal pétrolier d'Haïti, qui a coïncidé avec des mois de manifestations, de bouleversements orchestrés ou encore de barrages routiers dans le pays, a pu être levé début novembre grâce à un effort concerté de la police nationale d'Haïti. Ainsi, le carburant a commencé à arriver dans un certain nombre de quartiers de la région de Port-au-Prince, permettant aux hôpitaux et aux commerces de rouvrir leurs portes, donnant l'impression d'un certain retour à la normale. Espoir a été rapidement anéanti alors que les activités des bandes ont repris dans la capitale, marquées par des niveaux records d'enlèvements, de meurtres et de viols. Là, en novembre, l'on a enregistré 280 homicides intentionnels. Et il y a également de nombreux enlèvements contre rançon. Ainsi, en 2022, l'on a déjà dénombré plus de 1200 enlèvements, deux fois plus qu'en 2021. Dès lors, tout trajet pour le laïcien ordinaire est devenu un calvaire. Cette hausse des viols démontre le mode opératoire épouvantable des bandes qui utilisent la violence sexuelle pour intimider et subjuguer des communautés entières. La brutalité de ces violences font que les auteurs en sont tristement célèbres, exacerbant encore le sort des millions de personnes qui subissent ces violences. C'est la situation économique désastreuse alors que la plupart des routes depuis et vers la capitale sont contrôlées par les bandes, ce qui entrave grandement le commerce. Près de la moitié de la population connaît l'insécurité alimentaire. Près de 34% des enfants demeurent fermés. Et si les autorités de l'État font de leur mieux avec l'appui de l'ONU pour gérer le choléra, les cas suspectés se montent aujourd'hui à hauteur de 15 000 dans les 10 départements du pays. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, l'annonce de la résolution 2653 le 21 octobre avait été favorablement accueillie par les Haïtiens. Les sanctions bilatérales qui ont suivi
La publication de cette résolution semble avoir donné lieu à un nouveau sentiment d'urgence quant à la nécessité de rétablir des institutions élues démocratiquement. Certains dans la société civile ont appelé les individus visés par les sanctions à se retirer, à laisser la place à des réformes nécessaires, à des institutions transparentes et fonctionnant bien. Et alors que le débat s'est poursuivi, le BINU s'est attelé à promouvoir le dialogue politique en octobre et en novembre. Les groupes de la société civile ont lancé un nouveau cycle de consultations inclusives sur une feuille de route de transition. Avec les membres de l'accord Montana, les associations du secteur privé, les syndicats et les organisations religieuses. Ce processus a débouché sur l'élaboration d'un document de consensus national qui comprend des mesures permettant au pays de s'acheminer vers les élections dans le cadre d'un calendrier de 18 mois assorti d'un conseil de transition et d'un mécanisme de contrôle. Le 6 décembre, les groupes de la société civile qui étaient à la tête de ces consultations, ont publié leur premier communiqué public en tant que comité de facilitation indépendant, appelant à un accord final d'ici à la fin de l'année 2022. D'autres protagonistes ont également été actifs. Le 8 décembre, des acteurs du secteur privé ont lancé un appel à changer les pratiques commerciales. Cela a été une nouvelle étape dans la bonne direction. Il importe qu'en effet, le milieu des affaires défende ses engagements et renforce les liens avec la société civile et les acteurs politiques pour trouver un dénouement à la crise. En ce moment même, des consultations intense, associée aux efforts pour rallier le soutien autour du document de consensus national, sont en cours. J'encourage tous les groupes de la société pour le bien de la nation à mettre de côté leurs divergences et à tracer une voie commune pour permettre au pays d'aller de l'avant. Madame la Présidente, alors que le gouvernement continue d'investir dans la police nationale d'Haïti, et que 6 nouveaux véhicules blindés ont ainsi été reçus en octobre et que près de 12 autres devraient être reçus l'an prochain. Les forces n'ont toujours pas assez de ressources, ne sont pas assez bien équipées face à la tâche colossale qui les attend. Ces défis posés par les bandes sont exacerbés par la réduction des effectifs de la police. Ainsi, il n'y a plus que 13 000 membres de la police, dont 9 000 sont véritablement en fonction. Toutefois, certaines opérations couronnées de succès contre les bandes à Port-au-Prince ont eu lieu, mais il est difficile de maintenir ses acquis de sécurité. La police nationale d'Haïti a besoin d'une aide sous la forme d'une force spécialisée, comme mis en lumière dans la lettre du secrétaire général en date du 8 octobre. Les groupes de la société civile, les organisations politiques, les chambres de commerce et les groupes religieux appellent sans cesse à un soutien opérationnel international en faveur de la police, assorti de paramètres bien définis quant à leur rôle et d'une approche intégrée, à savoir que cette force devrait œuvrer aux côtés de la police nationale d'Haïti. Nous connaissons pas de ma tante et ça, Madame Lali Mabzila. Moi, de l'équipe pays lié. Et ça fait nous devenir nous tendre là. Pour nous tendre l'équipe pays, ça l'a décrit là. National. Alors que 17,8 millions de dollars ont été annoncés pour le fonds multidonateur, des programmes de lutte contre les armes illicites et les flux financiers vont également bon train avec une appropriation nationale claire. L'ONUDC fournit également une aide juridique afin d'élaborer un nouveau code des douanes et de répertorier les réseaux transnationaux criminels afin de mieux appréhender la réalité et l'étendue du trafic d'armes à feu et de stupéfiants en Haïti. Mesdames et messieurs, un grand nombre d'interlocuteurs haïtiens se sont félicités de vos activités récentes, appuient l'adoption de sanctions en tant qu'outil crucial de lutte contre la corruption et l'impunité. Toutefois, les sanctions
pourraient davantage porter leurs fruits dans le cadre d'une approche globale qui conjuguerait le dialogue politique en cours à un renforcement de l'appui à la sécurité pour la police nationale d'Haïti, comme indiqué dans la lettre du secrétaire général. Ces différentes approches, ces trois approches simultanées seront essentielles afin de rétablir l'ordre, la confiance de la population et afin de permettre également un avenir plus radieux pour le pays. C'est tout ce que les Haïtiens méritent. Je vous remercie. Je donne à Madame Ali m'a parlé là, elle n'a jamais mentionné les forces armées d'Haïti. Et nous connaissons les forces armées d'Haïti, les mêmes sans les mêmes pas gagner qu'un presque. Gros bagay que la police nationale a fait. Pour qui ça, dans toute intervention, elle n'a jamais parlé des forces armées d'Haïti. Pendant ce temps, c'est deux forces nous gagnons dans le pays. On continue, attendez. Gabon lui-même qui a parlé. Je voudrais donner un bref aperçu des travaux qui ont été entrepris depuis l'adoption de la dite résolution le 21 octobre 2022. Dans sa résolution 2653, le Conseil de sécurité a exigé la cessation immédiate de la violence, des activités criminelles et des atteintes aux droits humains qui compromettent la paix, la stabilité, la sécurité de Haïti et de la région, notamment les enlèvements, les violences sexuelles fondées sur le genre, la traite des personnes et le trafic des migrants, ainsi que les homicides, les exécutions extrajudiciaires et le recrutement d'enfants par les groupes armés et les réseaux criminels. En conséquence, il a imposé des mesures aux personnes et entités désignées par le comité comme étant complices d'activités faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité en Haïti, ou comme ayant pris part directement ou indirectement à de telles activités. Ces mesures consistent en une interdiction de voyager pour les personnes désignées par le comité, un gel des avoirs se trouvant en la possession ou sous le contrôle des personnes ou entités désignées par le comité ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions ou de toute entité en leur possession ou sous leur contrôle et un embargo sur les armes ciblées visant à empêcher la fourniture directe ou indirecte d'armes et de matériel connexes aux personnes ou entités désignées par le comité ou leur profit. J'ai été désigné président du comité le 2 décembre. Je tiens à remercier les membres du Conseil de sécurité pour la confiance qu'ils m'ont accordée ainsi qu'à ma délégation pour diriger cet important organe subsidiaire du Conseil de sécurité. Le jour même de l'adoption de la résolution 2653, le secrétariat a lancé le site web du comité 2653 sur lequel on trouve des informations relatives aux mesures de sanction ainsi qu'aux travaux et aux mandats du comité. Elles seront régulièrement actualisées. À l'alinéa D du paragraphe 19 de la résolution 2653, le Conseil de sécurité a décidé que le comité allait arrêter et promulguer les directives qui pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des mesures imposées par les dispositions de la résolution, à savoir l'interdiction de voyager, le gel des avoirs et l'embargo sur les armes ciblées. À l'issue des consultations avec les membres du comité, un projet de directive a été transmis au comité et est en cours d'examen. En ce qui concerne la nomination du groupe d'experts, je tiens à signaler que le 12 décembre, j'ai fait circuler au comité une lettre de la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix dans laquelle figurait une liste de 4 candidats, à savoir des spécialistes en armes, en groupes armés et en réseaux criminels, en questions financières et en affaires humanitaires. La nomination du groupe d'experts par le secrétaire général est attendue vers la fin du mois. Il est prévu qu'après sa nomination en janvier, le groupe d'experts se rende à New York pour prendre ses fonctions, mener des consultations avec les parties prenantes concernées et rencontrer le comité avant de se rendre dans la région pour commencer à recueillir, examiner et analyser les informations conformément à son mandat. Le Conseil de sécurité
a confié au comité la tâche de chercher à obtenir des informations concernant les personnes et entités qui se livreraient aux actes décrits au paragraphe 15 et 16 de la résolution 2653 et font peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité de Haïti et de les passer en revue et de désigner les personnes et entités visées par les mesures imposées par le Conseil. À cet égard, je souhaite me faire l'écho de l'appel lancé au paragraphe 23 de la résolution dans lequel le Conseil de sécurité a demandé instamment à tous les États membres ainsi qu'aux organisations internationales, régionales et sous-régionales de coopérer avec le groupe des experts. Dans le même paragraphe, il a également prié instamment tous les États membres de garantir la sécurité des membres du groupe des experts et de leur donner libre accès notamment aux personnes, documents et lieux pertinents pour l'exécution de leur mandat. Le groupe des experts doit présenter un rapport d'activité au Conseil de sécurité au plus tard le 15 mars 2023. Conformément à la résolution 2553, ce rapport sera examiné par le comité avant d'être présenté au Conseil de sécurité. Le groupe des experts a également été chargé d'aider le comité à s'acquitter de son mandat, notamment en lui fournissant à tout moment des informations pouvant servir à désigner éventuellement par la suite des personnes et entités qui se livrent aux activités décrites dans la résolution. J'ai eu un certain nombre de contacts initiaux concernant la mise en œuvre de la résolution 2653. Conformément à l'alinéa E du paragraphe 19 de la résolution, je présenterai au Conseil de sécurité un rapport annuel sur les moyens de renforcer l'efficacité des mesures imposées par la résolution. Je vous remercie, Madame la Présidente. En même temps, chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Resté limité. Les pénuries de carburant ont un impact sur tous les aspects de la société. L'épidémie de choléra a par ailleurs aggravé la situation. Les capacités de réaction du système de santé sont mises à rude épreuve. Du fait de cette situation délicate, la communauté internationale et les institutions spécialisées des Nations Unies doivent absolument accroître l'aide humanitaire. À n'en pas douter, la situation requiert une attention soutenue de la part du Conseil. Chers collègues, la priorité immédiate, toutefois, doit être de freiner les gangs criminels et d'apporter un semblant d'ordre, notamment dans la capitale, Port-au-Prince. À cet égard, nous saluons l'assistance en matière de sécurité offerte par les pays de la région. Nous espérons que ces mesures aideront les autorités de la police haïtienne à contrer les activités criminelles persistantes et déstabilisatrices des gangs armés. Le renforcement des capacités de la PNH mérite également toute notre attention. Toute décision sur le déploiement d'un mécanisme régional de sécurité devrait être examinée à la loupe en prenant en considération l'expérience du passé, y compris celle des missions des Nations Unies. Les crises multidimensionnelles, politiques, sécuritaires, économiques en Haïti exigent de toutes les parties prenantes haïtiennes qu'elles engagent des négociations dignes de ce nom. Il faut de toute urgence dégager un consensus sur une feuille de route politique pour organiser des élections attendues depuis longtemps. Les parties haïtiennes doivent également veiller à ce que le processus soit à la fois inclusif et légitime. À long terme, la stabilité institutionnelle, la bonne gouvernance et l'état de droit sont indispensables pour éviter de retomber dans l'impasse politique. À cet égard, nous saluons le rôle de fédérateur de la représentante spéciale et du BINU. Nous notons également le dynamisme des partenaires de la région qui aident Haïti. Excellence, chers collègues, les Haïtiens continuent de subir les effets de crises multidimensionnelles qui se prolongent malheureusement depuis des décennies. Aujourd'hui, plus que jamais, les Haïtiens ont besoin du soutien sans faille de la communauté internationale. L'Inde a depuis longtemps des relations avec Haïti et les Haïtiens. Par le passé, nous avons contribué à des initiatives de formation et de renforcement des capacités dans le pays et aujourd'hui, encore et toujours, nous sommes prêts à continuer d'aider les Haïtiens qui s'efforcent de s'extirper de la situation actuelle délicate. Je vous remercie. Je reprends maintenant ma casquette de présidente du Conseil et donne la parole à Son Excellence, M. Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères et du culte d'Haïti.
Madame la Présidente, Madame la Vice-Secrétaire Générale, Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'entrée de jeu de saluer la présidence de l'Inde du Conseil pour le mois de décembre et tous les membres du Conseil de sécurité pour l'intérêt et l'engagement qu'ils ont toujours porté sur la situation d'Haïti. Je salue également la présence à cette importante rencontre de la vice-secrétaire générale des Nations Unies, de la représentante spéciale du secrétaire général, en même temps chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, du président du comité de sanctions et de l'ambassadeur Bobry pour avoir présenté un rapport à l'issue de son voyage en Haïti. Le gouvernement haïtien est très sensible à l'engagement de la communauté internationale, au support de la communauté internationale dans la recherche d'une solution durable à la crise cauchemardesque qui continue d'affecter Haïti. Madame la Présidente, je me félicite de cette réunion d'information convoquée par la Fédération de Russie pour faire le point sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire du pays et sur l'impact du régime de sanctions à l'encontre des acteurs liés à la violence des gangs armés en vertu de la résolution 2653 adoptée en octobre dernier aux Nations Unies. Le gouvernement haïtien apprécie beaucoup le travail du comité de sanctions dirigé par l'ambassadeur Michel Xavier Biang du Gabon. Il formule le vœu que ces travaux soient couronnés de succès et déjà nous garantissons à ce comité tout l'appui du gouvernement d'Haïti. Le gouvernement d'Haïti prend note de la formation du groupe d'experts devant accompagner le comité de sanctions dans sa tâche. Il encourage également l'établissement de la liste des principaux acteurs liés à la violence des gangs et au blanchiment des avoirs. Dans cet ordre d'idées, la justice haïtienne a été mise en branle afin de trouver la meilleure formule susceptible de donner plein effet à la résolution 2653 dans le système juridique haïtien. Les différents parquets du pays ont été aussi mobilisés. Madame la Présidente, depuis le vote de la résolution 2653 le 21 octobre dernier, on constate une reprise timide des activités dans le pays. Cependant, il ne faut pas se méprendre sur cette évolution de la situation. La libération de l'accès au principal terminal pétrolier de Vareux, si elle a soulagé la pression qui s'exerçait sur la population et sur les activités économiques, est loin d'avoir résolu le problème structurel posé par l'action des gangs armés qui continue à entraver les actions du gouvernement et de la population dans bien des domaines. Les assassinats, viols, enlèvements, détournements de camions de marchandises continuent. De la communauté de Cabaret, localité située à 32 km de la capitale, 12 paisibles citoyens ont été massacrés dans l'espace d'une soirée et une dizaine de maisons incendiées. À Petite Rivière de l'Artibonite, plus de 10 000 personnes ont dû fuir leur lieu de résidence selon la direction de la protection civile. Il y a deux semaines, le directeur de l'Académie de police a été lâchement abattu par des bandits armés. Près d'une soixantaine d'agents de police ont subi le même sort depuis le début de l'année. Un leader de parti politique activement impliqué dans la recherche d'un accord politique inclusif a été sauvagement assassiné. Je trouve
Donc, étonnant qu'on puisse, dans cette enceinte, faire le marketing et la promotion de gangs qui tuent, assassinent. Et ce n'est pas en faisant la promotion des gangs armés qu'on arrivera à étouffer les cris de détresse du peuple haïtien, ni sa volonté de mettre fin à ce cauchemar. Madame la Présidente, le pays vit sous la menace d'une crise humanitaire qui plonge la moitié de la population dans l'insécurité alimentaire, soit environ 4,5 millions de personnes. Cette situation est due à des causes structurelles qui ont été considérablement aggravées du fait du blocage des routes et des vols et des détournements de camions transportant les denrées vers les villes et actions menées par des gangs armés. Les effets de l'action des gangs se traduisent aussi par une inflation galopante qui rend les quelques denrées disponibles inabordables pour les populations vivant une certaine précarité. Ce phénomène est amplifié par la prise en otage de l'entrée nord de la capitale qui rend inaccessible le port à conteneurs de Lafito où sont bloqués près de 3000 conteneurs de produits alimentaires et pharmaceutiques ainsi que des matières premières pour des usines d'assemblage. Certains produits commencent à manquer et les prix s'envolent du fait de la rareté. L'unique usine de fabrication de farine de blé est à l'arrêt depuis plusieurs mois parce qu'elle a été sabotée par les gangs. Il en va de même de la cimenterie nationale qui se trouve dans la même zone industrielle. Une grave crise sanitaire effrayante et inattendue causée par la résurgence du choléra évolue à une vitesse exponentielle avec un nombre élevé de victimes. Une véritable menace de santé publique pour le pays et en particulier la région en général. Un rapport récent du ministère de la Santé publique fait état au 18 décembre 2022 de 17 629 cas suspects, 14 972 cas hospitalisés et 316 décès. Il est à souligner que les enfants de 1 à 4 ans sont les plus touchés, suivis par le groupe d'âge entre 20 et 29 ans. Cette maladie qui s'est déclarée dans deux quartiers défavorisés de la capitale touche actuellement tous les départements à l'exception du Nord-Est. Je saisis l'occasion pour exprimer la gratitude du peuple haïtien pour le support d'urgence fourni par les pays amis au ministère de la Santé publique pour contenir la propagation de cette maladie. Madame la Présidente, le peuple haïtien apprécie la décision unanime du Conseil de sécurité de sanctionner certains acteurs importants qui, de près ou de loin, contribuaient à alimenter l'instabilité politique à travers leur soutien apporté aux gangs armés. Ceci a un impact certain dans le contexte actuel et devrait contribuer à faciliter le dialogue interhaïtien et l'adhésion à un compromis national susceptible de nous conduire vers des élections générales en 2023. L'application des sanctions permettra d'éviter l'injection de l'argent sale dans le processus électoral. Il permettra également de réduire la capacité des promoteurs de la violence à s'approvisionner en armes et en munitions. Madame la Présidente, l'insécurité demeure une priorité et une urgence pour le peuple haïtien qui a assez souffert de la crise multidimensionnelle qui ronge le pays. Sans la création d'un environnement sécuritaire adéquat, il est illusoire de penser que l'on pourra sortir durablement de la crise. Les données qui avaient poussé le gouvernement haïtien à solliciter l'assistance d'une force spécialisée pour accompagner la police nationale dans sa lutte pour éradiquer ou tout au moins contenir le phénomène des gangs armés
restaurer l'ordre et imposer le respect de la règle de droit sur l'ensemble du territoire. Ces données, dis-je, n'ont pas beaucoup changé. Le début de reprise des activités ne constitue pas une conséquence directe des opérations menées par les forces de l'ordre. Les gangs ont ralenti leurs activités dans certains points, mais continuent à terroriser la population dans d'autres. Leur capacité de nuisance est restée quasiment intacte et ils ont la possibilité de reprendre leurs exactions quand ils veulent. Il est urgent que les amis d'Haïti apportent cette assistance qui, si elle est suffisamment robuste, peut aider la police nationale à venir à bout du phénomène des gangs armés. Il faut aussi savoir que le peuple haïtien, dans son immense majorité, est favorable à l'arrivée de cette assistance, quoi qu'en disent certains qui ne proposent aucune solution alternative. Dépeindre des bandits et criminels qui tuent, violent et séquestrent comme des leaders révolutionnaires et des dirigeants de l'opposition ne correspond tout simplement pas à la réalité. De nombreux rapports émanant d'institutions de défense des droits de la personne, tant nationales qu'internationales, ont démontré la culpabilité indiscutable de ces individus. Vouloir les blanchir et les faire passer pour ceux qui ne le sont pas, c'est rendre un mauvais service à Haïti. Distingués membres du Conseil, Madame la Présidente, le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, a toujours cru que le problème, le dialogue, est le moyen privilégié pour résoudre les problèmes politiques, même les plus complexes. Il a fait tout ce qui était possible en allant vers les divers secteurs de la vie nationale. Cela lui a permis de conclure l'accord du 11 septembre 2021. Qu'à cela ne tienne, il ne s'en est pas contenté parce que, avec l'ensemble du gouvernement, il a voulu tout mettre en œuvre pour élargir le consensus. Beaucoup lui ont reproché d'avoir perdu trop de temps à courtiser les récalcitrants et à chercher à les ramener à la table de négociation. Mais comme il l'a redit il y a 2 jours en recevant les vœux du corps diplomatique et consulaire, il ne regrette pas d'avoir essayé. C'est dans l'unité que le peuple haïtien a pu réaliser des prouesses dans le passé. C'est dans l'unité qu'il doit trouver le moyen de mettre un terme à cette crise qui a trop duré. À l'instar des orateurs qui m'ont précédé dans leurs interventions, je suis content d'annoncer que ce matin, le Premier ministre Henry s'est réuni avec des représentants de la société civile, avec des membres, des représentants du secteur des affaires, des partis politiques, pour finaliser et signer un consensus national pour une transition inclusive et former un haut conseil de la transition en vue d'aller dans le courant de l'année 2023 vers l'organisation de bonnes élections qui permettront au peuple haïtien de choisir librement les élus qui devront assumer la direction des affaires du pays. Je vous remercie de votre aimable attention, tout en vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci. Je remercie son Excellence de son allocution. Je donne à présent la parole à son Excellence Monsieur Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Madame la Présidente. Madame la Présidente, mesdames et messieurs, membres du Conseil de sécurité, nous voudrions en particulier nous féliciter la nomination du Gabon à la tête du comité de sanctions. Nous remercions l'ambassadeur Biang de son exposé. Nous lui souhaitons plein succès dans ses fonctions importantes et délicates. Il peut compter sur la collaboration du gouvernement de la République dominicaine. Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l'ONU, Madame Hélène Lalime. Pour trouver la paix pour eux et pour leur famille. Ça, c'est la réalité de la situation.
Des gangs lourdement armés contrôlent désormais la majorité de la capitale haïtienne, aujourd'hui. Ce n'est pas, je dis avec beaucoup de respect à tous ceux qui écoutent, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité de la situation. On ne peut pas nier cette réalité. Ça a un impact considérable sur la circulation du carburant et de la nourriture et de la médecine nécessaire. Alors, le travail humanitaire ne peut pas se passer, ça n'arrive pas à la population. Et ça reste toujours quelque chose de très grave. Les principales routes nationales qui passent au nord et au sud de la capitale sont bloquées. Imaginez-vous si le grand circuit I-95 était fermé chaque 20 kilomètres ou 30 kilomètres. Imaginez-vous ça. Est-ce que ça serait tolérable pour la population de New York ou de New Jersey ou de n'importe où? Non, pas du tout. C'est impossible. Les gens en Haïti vivent dans des conditions impossibles. Impossible pour la vie humaine, impossible pour l'économie. Il est impossible de parler à quelqu'un à Port-au-Prince qui n'a pas vécu un enlèvement dans sa famille. C'est une réalité dans les discussions que j'ai eues. J'ai parlé avec des gens qui disaient, moi, j'ai perdu, j'ai dû faire un rançon pour ma mère, j'ai dû faire un pour mon frère. C'est pas anormal. C'est la vie qu'il existe. Les femmes et les filles sont soumises à d'horribles violences sexuelles. C'est pas un mythe, c'est une réalité qui est décrite dans tous les rapports des conseils des droits humains. De nombreuses écoles sont encore fermées. La majorité des enfants ne sont pas dans les écoles. Ça, c'est une réalité, c'est pas un mythe. Les agriculteurs ne peuvent pas ni semer ni récolter de nourriture. Les entreprises ne peuvent pas fonctionner sans avoir à verser des pots de vin pour se frayer un chemin dans un maquis de harcèlement. La situation humanitaire est très grave et complètement inacceptable. Les cas de choléra augmentent avec des répercussions importantes sur les enfants. On a eu déjà beaucoup de morts. On ne sait pas exactement combien parce qu'il n'y a pas la capacité d'enregistrer ceux qui ont perdu leur vie. Les défis auxquels est confronté le pays sont complexes, comme beaucoup de gens ont dit, sont multidimensionnels, sont historiques et interdépendants, et ils menacent sérieusement la paix et la sécurité du pays, de même que ses perspectives de développement durable. Madame la Présidente, depuis l'avènement de la crise aux multiples facettes en Haïti, à la suite de l'assassinat en été dernier du président Jovenel Moïse, notre groupe consultatif s'est réuni en 10 occasions, notamment au niveau des dirigeants en septembre, et a publié 6 déclarations conjointes. Alors que la crise se poursuivait, le groupe s'est élargi alors que le Kenya et les Barbades nous ont rejoints récemment. Les membres du groupe consultatif souhaitent tous appuyer Haïti. Nous sommes basés surtout dans la région, mais il y a d'autres pays qui nous ont rejoints. À cet égard, au nom du groupe, je voudrais mettre en exergue 4 points. Premièrement, comme d'autres l'ont déjà dit, mais je vais le répéter, la communauté internationale ne peut apporter son aide que si nous prenons conscience que les approches de ces dernières décennies n'ont pas porté leurs fruits. Elles n'ont pas pu s'inscrire dans la durée, elles n'ont pas duré tout simplement, elles n'ont pu s'implanter dans le pays, n'ont pas donné lieu aux changements nécessaires. Il est évident, et beaucoup l'ont dit à nouveau, mais il faut le répéter et celle-ci avec conviction, que les solutions doivent être dirigées par les Haïtiens, non pas par le Canada, par les États-Unis, par d'autres pays, même pas par l'ONU. Non, il faut que ces solutions appartiennent aux Haïtiens et à ses dirigeants. Nous devons également unir nos efforts pour mieux comprendre les besoins des Haïtiens et appuyer le plan du pays pour faire face à la crise. Cela doit venir de l'intérieur du pays, dans le cadre d'un dialogue politique.
vaste. Nous ne pouvons perdre de vue les causes profondes des difficultés en Haïti. Extrême pauvreté, corruption, impunité, collusion entre les acteurs politiques et économiques. Les sanctions, je pense, constituent un outil utile et ont des effets sur le terrain. Il est essentiel de continuer d'appuyer la pleine application de la résolution 2653. Il reste encore beaucoup à faire afin d'aider les Haïtiens à faire face à la pauvreté, à la corruption, à l'arbitraire, à la violence, et ce, à tous les niveaux. Troisièmement, s'il n'y a pas de solution rapide face à cette crise actuelle, nous avons besoin d'agir sans plus tarder. Il faut vraiment réfléchir profondément aux mesures à prendre pour subvenir aux besoins humanitaires, pour mettre en place une riposte efficace face au choléra. Car si l'on ne peut pas faire face à cette épidémie de choléra rapidement, cela aura des effets sur toutes nos autres actions, des effets très graves. Il faut également aider Haïti sur le long terme, ce qui est essentiel. On ne peut pas faire des va-et-vient dans cette coopération. On ne peut pas mener des actions ponctuelles qui ne sont pas inscrites dans la durée. Les acteurs humanitaires du développement, de la consolidation de la paix et des droits humains qui opèrent dans le pays et au-delà doivent garantir la coordination pour optimiser les effets de tous ces efforts. Nous savons que le secrétaire général d'autres pays, dont le mien, ont reçu une demande du Premier ministre par intérim Henry de déploiement d'une force multinationale. On a évoqué notamment une force de réaction rapide, c'est ce qu'a évoqué le secrétaire général. Le Canada et d'autres mènent des discussions détaillées avec la police nationale d'Haïti. Mais nous n'allons rien faire sans cette police ou sans avoir bien compris leurs plans et la façon dont ils souhaitent mettre en œuvre ces plans et de savoir quel est le soutien nécessaire. Différentes propositions ont été émises. Il est important de commencer au niveau pragmatique en travaillant étroitement avec les Haïtiens pour voir ce qui sera nécessaire, et pas seulement avec le gouvernement actuel d'Haïti, mais avec la communauté politique, tous les acteurs de la société civile et d'ailleurs qui doivent nous aider à trouver une solution. Je suis ravie qu'un certain nombre de pays ont déjà versé des contributions au Fonds pour la sécurité. Nous avons financer quasiment 50% du fonds pour l'instant. Nous allons continuer d'appuyer les efforts afin de renforcer les capacités de la police nationale, notamment avec du matériel et des formations. Je voudrais souligner que le groupe consultatif n'a pas de mandat particulier en matière de paix et de sécurité. Nous sommes un groupe consultatif auprès de l'ECOSOC. Mais pour la paix et la sécurité et la croissance économique sont concomitants. Je sais que certains n'aiment pas parler de ces liens, mais ces liens sont bien réels. L'on ne peut avoir des investissements sans la sécurité, on ne peut avoir de développement économique sans la sécurité ou sans un sentiment d'espoir. Quant aux perspectives économiques, ce sont là tous des éléments qui vont de pair. Nous allons continuer de travailler durement à cet égard et de dire que la sécurité est une condition préalable au développement et à la solidarité politique. Quatrièmement, nous encourageons Haïti à faire entendre les opinions des femmes et des jeunes et à les reprendre dans les plans. Il faut davantage de femmes et de jeunes aux échelons de direction dans le pays. Ce sont ceux qui pâtissent principalement de la situation. C'est leur avenir qui est en jeu. Le dialogue national inclusif dont a parlé mon ami le ministre des Affaires étrangères d'Haïti constitue un élément crucial. Et tout le monde doit mettre un peu d'eau dans son vin pour y parvenir, mais il faut y parvenir. Enfin, la semaine dernière, le groupe consultatif a entendu des jeunes femmes haïtiennes qui ont, en dépit de la situation très difficile, ont nourri de l'espoir quant à un avenir prometteur de leur pays. Les Haïtiens ont continué de démontrer leur résilience remarquable face à l'épreuve, mais ils ont besoin d'une aide prévisible et durable de la communauté internationale sur tous les fronts pour briser ce cycle des crises. À titre national, je voudrais encore ajouter quelques propos. Ceux qui extorquent des fonds, ceux qui volent, ceux qui violent, ceux qui enlèvent et ceux qui tuent
doivent être arrêtés sur leur lancée. Cette situation ne peut perdurer. Ce n'est pas là une théorie politique, non. Ce sont là des faits réels. Et si l'on ne peut pas faire face à cette situation, alors on ne pourra relever aucun autre défi. Je ne sais pas comment ceux qui font obstruction aux tyrans, à ceux qui extorquent des fonds, etc. Je ne sais pas si on pourrait les qualifier de mener une sorte de service public. Non. Cela est une ineptie pour une telle analyse de la situation. Et enfin, je pense qu'on l'a entendu déjà dans d'autres contextes, mais il faut le dire une fois de plus. Rien pour Haïti sans l'ensemble des Haïtiens. Et je pense que c'est là un principe qui doit être à l'origine de nos conduites. Alors, je pense que le Canada a été mentionné à 3 reprises dans des discours aujourd'hui, et je m'en targue. Nous continuons de nous efforcer par tous les moyens de mettre un terme à l'impunité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous avons tous commis des erreurs en n'accordant pas assez d'attention aux effets dévastateurs de la corruption. Et nous ne souhaitons pas répéter cette erreur. Je pense que c'est mon ami du Mexique qui avait parlé de la corruption comme étant un facteur crucial. Alors, les sanctions permettent de lutter contre certaines choses, mais pas contre tout. C'est Haïti également qui doit prendre des mesures face à cette corruption qui gangrène la société. Et nous devons également tous prendre conscience du fait que le développement économique et le développement politique et la justice sociale nécessitent l'ensemble de la population d'Haïti. Cela doit être dirigé par Haïti et appuyé par nous tous. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant du Canada. Bon. Il n'y a plus d'orateur inscrit sur la liste. Bon, et on t'a quitté nos fin de temps et en pile l'intervention, yo. Ça même moi prend dans tout ça que fait jodi à là. Moi comprendre gen en pile monde qui toujours abdou international, moi comprendre ça, pas fait international là impliqué. Le niveau de corruption Haïti est là. L'argent là et la justice là pourri. L'argent politicien rabio pas souan yen ke prend l'argent pour fouer l'en poche yo. Le moment ça a nous besoin international la vrai. Et wap gade pour à partir de en pile intervention nous même nous fait la cadence TV et tant d'autres moun encore parler, yo commencé comprendre que c'est pas même genre longtemps. International pas quand vinn en Haïti, a pu faire ça vle, faire intervention, non. Yo commencé comprendre c'est bon côté haïtien et mandé haïtien qui ça yo vle tout et c'est là nous besoin arriver parce que nous pas ka développer Haïti pour compte nous manquer ressources nous comme ça pas de volonté politique pour sécurité à blaï tout bon vrai n'a besoin force qui bon côté la police avec les forces armées d'Haïti moi espérer. Ce n'est pas si magri qu'a fait un dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Intervention que Bob refait là, et monsieur qui ambassadeur permanent Canada auprès des Nations Unies. Monsieur tape problème exactement sous tête. Monsieur correct. Il suffit qu'on y a là pour nous-mêmes. Haïtien, haïtienne, que dans Haïti, que dans l'étranger, pour orienter yo côté plus bas et yo. Et ça, oui. Kounya, c'est pour changer mission. Nou. Parce que, pas oublier, travail que nous faisons, c'est l'avancement et le progrès de la République d'Haïti. Ma propriété encore. Travail que nous faisons, c'est l'avancement et le progrès de la République d'Haïti. C'est restaurer sécurité dans le pays pour venir investissement, pour moun ka vivre.
pour Haïti qui a avancé. Très important, ça m'a dit là. Ça nous prend le faire nous-mêmes, c'est pour orienter mission. Aide yo kap venir, c'est pour orienter yo côté peuple haïtien tout bon besoin yo. Côté pays a besoin tout bon vrai. Ça c'est le pral l'autre mission nous à partir de 2023. Parce que nous remarquer li incontournable, a gen force étrangère kap rentre en Haïti. Nous pas ka bloquer, nous pas ka camper. Mais cependant, ça nous ka fait c'est orienter yo à travers émission que n'a fait yo. À travers des conseils et des recommandations que nous avons. Et ceci, tout haïtien, haïtienne, qu'on en Haïti ou à l'étranger. Ou pas qu'à camper en face, ou pas qu'à imposer ou faire ça ou faire. Yo t'a préféré tuer nous, tout haïtien. Y a vin fèl parce que vous remarquez que le peuple a souffri trop. C'est vrai. Qu'on y a assez nous pour orienter les gens malgré ces causes li. Parce que, grand pile des autres qui ont fait dans le pays là, yo pour beaucoup là dans l'international là. Mais si kounya yo vle prendre conscience, on prend yo mot, on oriente yo kounya. Ou le n'kampé n'ap di, non, pas vle, non, n'ap kampé fasyo, on oriente yo kounya, parce qu'il y a vini quand même, avec nous ou bien sans nous. Mais même change mission pam, automatiquement là. Kounya m'pral dirige yo, m'pral faire des recommandations, bay des conseils, et puis kounya vwa m'ap passe koule pa ket l'autre voie ici, kan Haïti à l'étranger, pour oriente yo, pour Haïti à l'on souvre. Dernière intervention Bob Réa là. Monsieur montre que vous avez volonté vrai oui. Puis font bagaille. Il montre que vous avez volonté mais cependant c'est nous pour orienter. Parce que depuis là vous pour faire pour côté, il a fait le même genre nous pendant 36 ans, il fait Haïti. Mais espérez nous comprendre, mais espérez nous tendre. On a accompagné yo, qu'on y a pour une bao direction. Pour ne pas quitter ou faire ça, ouvrir l'an pays, pour nous dire, mais qui ça, en commençant par intervention rapide d'Abvoya, forcer bon côté la police avec les forces armées d'Haïti pour le faire. Li pas qu'avine fait pour qu'on était sous occupation, sous force occupation qui vini, qui a fait des faits. Non. Et puis, n'a demandé tout, renforcement de la justice, système judiciaire par bon, pourri. C'est l'autre plaidoyer qui va le faire tout. Puis, on change, faut remanier la justice en Haïti. Ni juge, ni bagay commissaire gouvernement, et tout son bon corrompu, yo pourri yo corrompu. Faut système nan remanier tout, en tout fait d'une pierre de coup, et c'est ça qu'a fait, nan capoté système nan. Jou yo commence à bay oliga corrompu yo sanction, politicien après sanction là. Mais ce système nan kap tout krasé, oui. Pour qu'on yon kage l'autre groupe qui émerge, nan tout fait ça tout avec la justice. C'est ça pour nous faire, oui. C'est ça. Qu'on y a la en orienté mission l'autre gens parce que y a bah y a changé n'a changé avec eux tout parce que m'vienne pas remarquer ça y'a voulu faire appel quand même qu'on y a là plutôt nous fait voir nous passer ou gens qu'on y a là pour nous accompagner dans cette affaire là puis pas venir faire dérapage et pour nous demander ou bien en pile voir comment ça pleuve c'est parti de ça n'a pas dit en pile voir comment ça pleuve que c'est au Canada que États-Unis en France en Haïti partout. Parce que l'incontournable est venu quand même. Quand nous même, le venu, c'est nous pour orienter, côté puis aller, puis pas venir, puis qu'on a venu protéger un petit groupe au détriment de l'autre groupe. Faut Haïti, foi ça, tout bon vrai. Monter sur un changement. Pour le ralon souffle. Le SANAP utilise l'expertise que vous avez, qu'on a pour former, bien former les policiers, foi ça, pour ne pas pour bagaille de gang gauche, pour ça, n'y a là, qu'on a là. Militaire yo pour nous essayer pousser mettre pression pour équiper les forces armées d'Haïti pour jamais plus jamais après bagage ça fin passer là pour pas jamais les forces étrangères qui retournent sur territoire pays d'Haïti. C'est sur notre n'a dit nous tout merci, pas oublier partager, abonner, like et puis commenter. Bye bye.